Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 10 août et c'est reparti pour la troisième semaine de ma boîte aux lettres. J'en reviens pas que c'est déjà la troisième semaine que je fais ça, ça va tellement vite. Alors aujourd'hui j'ai été vraiment gâtée, j'ai reçu 5 trucs, j'ai reçu 3 cartes postales et 2 enveloppes. Alors la première carte c'est une carte officielle de Post Crossing qui vient d'Allemagne, donc voilà. Donc c'est en référence au Petit Prince, hein, vu que c'est le mouton du Petit Prince, et c'est moi un mouton. Et la carte a été écrite en français. Donc, chère Stéphanie, voilà, dessine-moi un mouton pour toi et ton mignon Robin. Il y a déjà plusieurs ans, j'ai visité la Belgique, Bruges et Gand, Waterloo, et l'abbaye de Villers-la-Ville. Bien sûr, j'ai goûté de la chocolat, des frites et des gaufres. Amicalement, et je crois que c'est Claudia d'Allemagne. Donc, voilà, c'est ma première carte du Petit Prince. Alors toujours le Petit Prince et ça vient toujours d'Allemagne, mais cette fois-ci c'est un swap que j'ai fait sur Instagram parce que j'ai vu que... Par contre je connais pas son prénom. Ah c'est Christine, voilà le mec, heureusement. Ouais, c'est Christine d'Allemagne qui avait plein de cartes du Petit Prince et je lui ai demandé si elle en avait en plus à échanger. Donc moi je lui ai envoyé une carte des oiseaux que j'ai commandée sur AliExpress parce qu'elle les aimait bien. J'ai choisi cette carte-là. Donc voilà pour ça, donc ça fait 2 cartes du Petit Prince. Ensuite la troisième carte c'est une carte Anne Guedes et je suis contente parce que c'est la première que je reçois de ce genre là. Et elle vient d'Angélique que j'ai rencontrée au meeting de Mons et à qui je fais de gros bisous et je remercie beaucoup pour cette jolie carte. C'est vraiment excellent. Elle me souhaite d'en recevoir encore de nombreuses comme ça, donc c'est gentil, merci beaucoup. Je pense que d'Angélique, oui, il me semblait bien, j'ai une autre enveloppe, donc je vais l'ouvrir tout de suite. Oh, c'est chou, c'est un petit mitouillou. Juste un petit salut. Un petit salut à l'envers. J'espère que cette carte fera plaisir. Angélique, eh ben oui, c'est bien vu. Merci beaucoup Angélique. Donc ben voilà, tu vois, j'ai reçu tes 2 cartes aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est chouette. C'est cool, elles sont vraiment jolies. Et c'est dans les thèmes que j'ai envie de collectionner, donc c'est que du positif. Et alors ici, j'ai reçu une autre enveloppe qui vient de Ambre. Donc, je sens qu'il y a 2-3 petites choses dedans. Tadam! Alors j'ai reçu un sachet de thé. J'ai reçu une carte cupcake à collectionner ou bien à renvoyer, donc avec un cupcake, fraise avec des petites pépites de chocolat. J'ai reçu ensuite une lettre. Et on voit pas très bien, mais c'est du papier à lettres avec des petits chats. Donc c'est vraiment tout mignon. C'est du papier à lettres chat. Et comme c'est transparent, on voit pas beaucoup. Mais tu vois, avant de lire ton petit mot, j'avais repéré que c'était du papier à lettres chat. Donc voilà. Mais voilà, merci beaucoup pour ta lettre, Ambre, elle me fait très plaisir et on va continuer de blablater, que ce soit ici, enfin ici, que ce soit par courrier ou sur Facebook, de toute façon, il n'y a absolument aucun problème et je vais mettre ton sachet de thé avec l'autre que j'ai reçu et je boirai ça quand il fera un peu plus froid. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont envoyé du courrier ce lundi parce que voilà, franchement c'est le pied quoi, d'ouvrir sa boîte aux lettres et de voir qu'il y a plein de trucs. Nous sommes le 11 août aujourd'hui et j'ai littéralement été gâtée parce que j'ai reçu 2 colis que j'ai déjà pré-ouvert, comme ça va plus vite pour la vidéo. J'ai reçu une lettre bien remplie et 4 cartes postales. Donc je vais commencer avec les cartes. J'ai d'abord reçu, j'ai pas regardé, hein, des koalas, ils sont absolument mignons. Ah bah c'est une carte officielle de Post Crossing, donc AU, je crois que c'est l'Australie, hein. Oui, Australia, on est d'accord. Donc c'est une carte qui a été envoyée le 3 août, rien de spécial quoi. C'est des bébés qui écrivent, qui racontent un peu qu'ils ont eu de l'orage, beaucoup de pluie et voilà. Bref, comme en Belgique quoi, pourquoi aller à l'autre bout du monde pour avoir la même météo qu'ici. Bref, mais voilà, des koalas. Et je suis contente parce que pour l'instant, toutes les personnes qui m'ont envoyé une carte via Post Crossing ont respecté mes attentes. Donc c'est chouette. Alors ici j'ai une carte, c'est Mathilde, je t'envoie une petite carte de Bretagne, la photo est de ma maman, j'espère qu'elle te plaira, bise Mathilde. Il y a 2 bateaux, 2 vieux bateaux comme ça, ils ont l'air un petit peu abandonnés. Et Mathilde, oui Mathilde, c'est-à-dire que je connais plusieurs Mathilde du poste, du forum, enfin du groupe, je vais y arriver, Post Crossing francophone, oui, il y a 2 ou 3 Mathilde,
Donc je ne sais pas laquelle c'est. Donc il va falloir que j'investisse. Mais en tout cas, merci beaucoup pour la carte. Alors ici, j'ai une carte de Ginny. Bonjour Stéphanie, cela me fait plaisir de t'envoyer une carte. J'ai vu que tu aimes Anne Goddess. J'espère que tu n'as pas encore celle-ci. Non, c'est la deuxième carte Anne Goddess que j'ai et je n'ai pas celle-ci. C'est excellent. Ah bah écoute, je ne savais pas que tu avais un grand garçon déjà. Mais écoute, merci beaucoup pour ta jolie carte. Là, j'ai reçu une carte que j'avais achetée lors du meeting de Mons. Mais qu'on m'envoie, et c'est qui? Ah, c'est Sophie. C'est Sophie du meeting de Mons qui m'envoie. C'est pas son pseudo, hein. C'est Sophie 2210, son pseudo. Un petit coucou car je sais que tu adores ces cartes et moi, j'adore en envoyer. Gros bisous. Donc voilà, merci beaucoup Sophie pour ta carte. Elles sont belles ces cartes-là. Les cartes Lali, j'aime beaucoup. Alors ensuite, j'ai reçu de Manon une grosse enveloppe. Enfin, elle a pas l'air grosse à la caméra, mais on sent qu'il y a quelque chose dedans. Il y a plein de trucs dedans. Oh, oh mon dieu. Oh my god. Cool. C'est excellent, merci beaucoup. C'est chouette parce que je commence à en avoir un petit peu. Mais j'en ai pas encore des masses. J'aime beaucoup, en plus ils sont classés par ton et tout. T'as très bien fait ça, merci. Pour Robin, excellent. Ah, merci beaucoup, c'est chouette. C'est une chouette attention. Une belle carte avec des fleurs. Ta-ta-ta. Et un petit mot. Ne te sens pas obligée, je n'attends rien en retour, je ne me sens pas du tout obligée. Moi aussi, ça va me faire plaisir de te faire parvenir des petites affaires dès que je peux. Donc je n'y manquerai pas. Et alors ici, c'est quoi que tu m'avais dit? J'ai fait une série d'enveloppes en papier de Spirou et Fantasio. Donc tu m'as envoyé des enveloppes en fait, si j'ai bien compris, parce que moi... Ah ouais, punaise, c'est cool. Saleté de train. Elles sont super cool les enveloppes. C'est des enveloppes que Manon a fait elle-même. Et c'est vraiment trop bien fait, quoi. Et j'aime beaucoup les enveloppes. Je suis pas certaine de les envoyer, moi, Manon, du coup. Elles sont vraiment belles. C'est vrai que ça fait très belge. Merci, merci, merci. Merci beaucoup, franchement. Franchement, je suis gâtée, quoi. Merci, merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Alors, ensuite, il me reste mes deux colis. Donc, le premier colis que j'ai reçu... Je crois que c'est ma commande sur le site du Petit Prince. Parce que, vous allez voir, quand je vais vous montrer ce que j'ai pris, vous allez vous dire, mais bien sûr. Oh, il est trop chaud. C'est le renard dans le Petit Prince. Oh, j'ai la longue queue. Trop chaud, c'est marrant, je l'imaginais vraiment super grand, mais... Il est tout petit, tout chou. Voilà, c'est pour mettre dans la chambre de Robin, vu que c'est sa mascotte. J'ai commandé également des cartes du Petit Prince. Ta-ta-ta. 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 Je crois qu'au début, je vais un peu les garder pour moi. C'est très con, hein, mais je vais attendre d'en recevoir plus du Petit Prince. Et je vais pas les envoyer tout de suite. Et alors, le dernier petit colis que j'ai reçu... C'est la suite en fait de ma commande Gorgeous, puisque j'ai commandé le carnet d'adresse il n'y a pas longtemps, je l'ai reçu et je l'adore, franchement je suis trop fan. Et j'avais passé une autre commande où j'avais commandé un porte-monnaie, je vais dire, mais qui s'accroche comme ça au poignet, parce que ça je trouve que c'est vraiment pratique quand je pars à ma pause de 10h ou à 2h au boulot. Voilà, je prends ma carte, je prends mon badge, je prends des petits sous et hop hop hop. Ça va être super pratique, à part si la tirette déconne, ça va pas me plaire. Ouais, ça va. À force. La tirette, c'est... Et alors, j'ai également pris un truc comme ça, donc on dirait que c'est un portefeuille, mais en fait, c'est un sac que vous pouvez déplier pour faire un cabas, en fait, pour mettre vos fous. Et forcément, j'ai pris le modèle avec les renards. Je suis juste incorrigible, mais c'est comme ça. J'espère vous retrouver demain avec les mains aussi pleines. Aujourd'hui, nous sommes le 12 août et je l'avais dit à mon homme, je dis, j'ai tellement eu de courrier lundi et mardi qu'à mon avis, aujourd'hui, je n'aurais pas grand-chose. Et je lui ai dit que j'allais m'estimer heureux si j'avais ne serait-ce qu'une carte dans ma boîte aux lettres. Et j'ai eu bien plus qu'une carte puisque j'ai eu une très belle enveloppe de Virginie que j'ai rencontrée virtuellement sur Facebook, sur le groupe Postcrossing francophone. Et donc, elle m'a envoyé vraiment une assez... Ça n'a pas l'air, mais c'est... Il y a des petites choses dedans. Oh, oh.
Alors là, il y a un truc de folie, quoi. J'ai ça. Je sais pas du tout ce que c'est. On dirait une carte faite main. Il y a des trucs dedans. Donc, déjà les petits vélos. Alors, j'aime beaucoup les vélos parce que mon papa fait de la course à vélo quand il était plus jeune. Et donc, voilà, ça, à chaque fois que je vois un vélo, forcément, ça c'est un petit clin d'œil. Ah, mon papa, purée, c'est trop beau. Putain, mais c'est excellent. Pardon, j'ai dit un gros mot. Oh, c'est trop beau, quoi. C'est une carte qui sort comme ça, tout est fait main. En tout cas, si c'est pas fait main, c'est bien imité, mais je crois bien que c'est fait main. Oh, oh, oh mon Dieu, mais il y a plein de trucs à lire. Il y a plein de petits trucs partout et tout. Oh, purée, c'est trop beau. Donc, il y a un petit stick. Hello, douceur de vivre, savourer l'instant présent. Alors ici, il y a une lettre. Oh, c'est trop beau. Hop, il y a une petite lettre comme ça qui se prend comme ça. C'est un petit roman. Je vais le lire juste après. Hop, avec des petites citations. Encore des citations. To-do list de l'été. Chouchouter sa famille, se chouchouter, ne rien faire. Lire pour s'évader encore plus, écrire, scraper. Et toi? Bah écoute, moi déjà, ta to-do list me plaît beaucoup. Post-crosser, moi je dirais aussi. C'est trop beau et les couleurs sont toutes douces, tous estivales. J'aime beaucoup. Franchement, je suis très, très, très agréablement surprise. Ici, il y a une petite enveloppe. Hope is a waking dream. Et là, il y a encore un petit truc dedans. Merci beaucoup d'avoir partagé tes coups de cœur. J'irai voir un petit peu sur internet les résumés. Et franchement, je n'ai qu'une lettre, mais c'est comme si j'en avais reçu 15, quoi. Il y a tellement de petites choses à découvrir et tout. Je vais lire ta lettre. Oh, c'est excellent. Mais franchement, moi, je me sens un petit peu mal, quoi, parce que je sais, je t'ai juste envoyé la carte que tu as gagnée. Mais c'est pas que je me sens obligée maintenant de faire autant que toi. Mais clairement, tu m'as vraiment gâtée, quoi. J'espère que ma petite enveloppe te plaît. J'aime bien le petit enveloppe. Faut pas demander quand tu fais un big snail mail. Franchement, ça me plaît beaucoup. Je m'attendais pas à voir. C'est très beau. C'est super beau. C'est super bien fait. Franchement, t'es vachement douée et patiente, quoi. C'est super bien fait. En plus, il y a d'autres trucs après. Bah, tant mieux que tu sois bavarde. Franchement, moi aussi, hein, une vraie pipelette quand je m'y mets. Je ne m'arrête plus, mais en tout cas, merci beaucoup Virginie pour ta lettre, pour ta carte remplie de cachettes. Et je vois que tu m'as envoyé aussi une belle carte gorgeous avec un sticker renard. Et encore un petit mot, merci beaucoup, c'est chouette, elle est trop belle. J'ai jamais vu cette image-là de gorgeous en plus, c'est trop beau. Et là, j'ai reçu une petite pochette encore avec des post-it, des petits stickers to you, comme des petits timbres. Congratulations, it's a great day. Et c'est super ces cartes, ces emballages-là que tu as trouvé. C'est vraiment super. Oh, il y en a tout plein en fait. Oh, cool. Là, j'ai reçu un petit calepin pour prendre des notes avec Pampan, j'adore, je me faisais trop marrer quand je regardais Bambi bien que ce soit un dessin animé très triste. Oh mon Dieu, il y a Bambi. Oh j'adore. Oh tu me tues là. Oh purée. J'aime beaucoup parce que, enfin, c'était aussi le dessin animé Walt Disney préféré de ma maman qui n'est plus là. Alors chaque fois que je vois Bambi ou même une biche, un fan, forcément ça me fait toujours penser à ma maman et ça me... Pouf. Mais... très mignon, très 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 chou. À coller partout pour des petits moudous. Je le donne à mon homme, ça. Comme ça, il pourra me laisser des petits moudous. Bah, il m'en laissait jamais. Merci beaucoup, je t'embrasse vraiment très 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 fort. Je te promets de te répondre et j'espère qu'on pourra commencer vraiment à correspondre plus ou moins régulièrement. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de points communs. J'ai vu aussi sur ton profil... que c'était complètement fou, quoi, d'avoir autant de points communs avec une personne, surtout qu'on ne connaît pas. On a l'impression qu'on se connaît alors qu'on se connaît pas. Je suis sûre qu'on se verrait dans la vraie vie, on serait peut-être un peu timide au début, mais franchement tu m'as trop gâtée et je te remercie encore beaucoup d'avoir pris le temps de faire tout ça pour moi alors que c'est vrai qu'on se connaît pas. Et c'est ça la magie de la correspondance, du post-crossing, j'imagine. C'est que du bonheur, donc voilà.
Merci beaucoup et à demain pour la suite du courrier. Nous sommes le 13 août aujourd'hui et j'ai reçu deux cartes que je n'ai pas encore regardées. J'ai juste vu le verso et une enveloppe que j'ai déjà ouverte pour plus de facilité pour la vidéo, mais je n'ai pas encore regardé ce qu'il y avait dedans. Alors, la première carte, c'est celle-ci. Voilà, je la découvre maintenant, là tout de suite. Le petit prince, ce qui est important, ça ne se voit pas. C'est marrant parce que c'est écrit en français et ça vient... Donc c'est une carte officielle de Post Crossing et le code c'est HK, donc je suppose que c'est Hong Kong. Cette carte a été achetée au Japon durant ses dernières vacances et c'est une de ses préférées. Elle espère que je l'aime ainsi que le... Oh, c'est marrant! Le timbre, je l'ai déjà reçu sur une carte. La carte, c'est exactement la même que ça et le timbre, c'est le même. Donc c'est marrant que ce soit le même timbre. Bref. Ensuite, c'est une carte officielle également de Post Crossing. J'adore parce que tout le monde... Enfin, toutes les cartes officielles que j'ai reçues de Post Crossing, jusqu'à présent, elles respectent mais totalement ce que j'ai mis dans mon listing. Oh, Minsk. C'est Anna qui m'écrit de Minsk, qui dit qu'elle adore lire, que les livres sont sa drogue, et que son livre préféré c'est... Ah, on dirait que c'est en... Je connais pas la traduction en anglais, mais enfin en français, mais bref, je connais pas le livre, mais éventuellement j'irai voir un peu de quoi ça cause. Voilà, donc elle me souhaite une bonne journée et happy post-crossing. Et alors ici j'ai reçu une enveloppe comme ça, vraiment très jolie. Ça vient de Russie, de Saint-Pétersbourg, d'un nom que je peux pas prononcer. Oh, c'est chou! Il y a une petite carte comme ça, Tom et Jerry, et elle a écrit pour Robin. Oh, c'est juste trop chou! Et là, ah, je travaille comme ticketeur à différents événements et concerts. Ah, d'accord, ils attachent des bracelets comme ceci sur les poignets des gens. Oh, c'est bon ça! Oh, excellent! Apparemment, c'est quelqu'un qui travaille dans des festivals de musique et donc elle m'a envoyé deux bracelets qui mettent autour des poignets des gens pour les festivals. Purée, mais c'est excellentissime quoi! Je connais pas. Hein. Europa Plus, je sais pas quoi. MTC, BCE, avec c'est écrit en russe donc forcément je comprends que dalle, mais c'est excellent! Donc quoi, les gens lisent les profils quoi. J'ai mis dans le profil que j'adorais les montgolfières. Oh, avec un petit post-it, donc montgolfière, point d'interrogation, les voici. Donc c'est juste adorable, quoi, comme attention, c'est vraiment... Ça me touche beaucoup. Oh, et la carte, elle est trop belle en plus. Donc là aussi, j'ai mis que j'aimais bien les cartes des chats, mais spécialement les chats dessinés. Oh là, j'ai eu un roman derrière. J'aime bien, il y a une petite matrioshka avec la référence de la carte purée. Je sais plus parler tellement je suis sur le cul, quoi. Ben voilà, j'ai eu trois cartes aujourd'hui. Donc c'est trois cartes officielles hein, de Post Crossing. Et c'est marrant parce qu'en revenant du boulot, je disais à mon âme, j'ai tellement été gâtée depuis le début de la semaine que je suis sûre que j'aurai aucune carte aujourd'hui. Là encore une fois, j'ai vraiment été gâtée. Et je suis estomaquée quoi, par toutes les petites attentions que la personne de Russie m'envoie. Là, c'est tout pour mon courrier du jour. Je suis mais ultra happy et franchement, c'est trop génial. Je suis contente. Donc voilà. Aujourd'hui, vendredi 14 août, il est 1h30 et je vous dis l'heure parce qu'en fait à 10h j'ai filmé la vidéo en vous disant qu'il n'y avait rien dans ma boîte aux lettres et que j'étais un petit peu triste, mais en même temps avec tout ce que j'ai reçu cette semaine, ma foi, je ne pouvais pas me plaindre. Et ici j'étais sur le point d'éditer la vidéo, je me dis je vais quand même encore aller jeter un œil, on ne sait jamais. Et j'ai eu une carte et je viens de regarder avec des mignons petits renards. Alors elle vient de Polly. C'est signé Pauline, mais je pense que c'est Pauline à qui j'ai envoyé une carte ou quelque chose il n'y a pas longtemps, au début. Je vous avoue que j'ai tellement envoyé de trucs récemment. Et qui me met coucou, j'ai regardé tes vidéos et j'ai vu que tu aimais les renards. Donc je t'offre cette carte avec ces deux petits renards. Bisous. Mais écoute, Pauline, un grand merci pour ta carte. Voilà. Franchement, c'est incroyable. Ça fait quoi? Ça fait un mois maintenant que je suis sur Post Crossing et que je fais des échanges. Et ça doit être ma 10e carte de renard et c'est toutes des cartes différentes. J'ai pas encore reçu une seule fois la même carte de renard et je suis juste aux anges. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont envoyé un courrier récemment. Ça me fait vraiment plaisir de me dire que
Il y a des gens qui prennent le temps de m'écrire et surtout, enfin, c'est des gens, je vous connais pas quoi, on se connaît pas dans la vraie vie, on se connaît que par Postcrossing ou par le groupe sur Facebook. Et c'est cool quoi, c'est. Voilà, moi franchement, ça me motive. Chaque jour, limite, c'est une des raisons qui me motive à me lever le matin. Bon, c'est pas la raison number one, hein. Ça reste mon fils, bien sûr, la raison number one, mais. Non, c'est quelque chose de très 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 motivant, très addictif. Et donc voilà, je voulais remercier toutes les personnes. Je sais que cette vidéo déjà dure une plombe, donc je vais m'arrêter là. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine dans la prochaine vidéo, bien sûr. Et entre temps, je crois que je vais faire une autre vidéo, mais pas boîte aux lettres, mais qui concerne toujours le post-crossing. Enfin, on en reparlera dans quelques jours. Voilà, gros bisous, bon week-end et à bientôt.